Est-ce que tu penses que Thierry Henry va relever le foot espoir français? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Thierry Henry. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos. Si c'est pas, on est parti. Alors, est-ce que tu penses que Thierry Henry va réussir à relever le foot espoir français? Thierry Henry est arrivé en tant que sélectionneur de l'équipe espoir. Ça fait environ 2 mois. Et lorsqu'il est arrivé, moi j'étais sceptique et je le suis toujours. Malgré ses 2 victoires en 2 matchs, j'étais sceptique. Et force est de constater que Thierry Henry est en train de mettre des choses en place. En 2 matchs, c'est 2 victoires, les amis. 2 matchs, 2 victoires. Et avec la manière des loups score les 4-1, bref, tu gagnes avec la manière, avec du beau jeu, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Après, est-ce que ça va durer sur le long terme? Est-ce que Thierry Henry a appris de ses erreurs? Parce qu'on se souvient, lorsqu'il était à Monaco, c'est une personne qui avait un ego surdimensionné. Lui-même, il le dit, qu'il a vraiment pris du recul. Il s'est remis en question, il a changé pendant la période de Covid, il a beaucoup changé et c'est une très bonne chose. C'est aussi ça l'homme. L'homme, c'est se remettre en question lorsque les choses n'avancent pas. Donc, il a su se remettre en question et pour l'instant, ça fonctionne. Parce que lorsqu'il était à Monaco, franchement, tout le monde se plaignait, y compris Golovin. Golovin disait que c'était un entraîneur qui avait un ego, qui imposait ses choix, qui voulait seulement que les choses aillent de son côté. Bref, il s'est beaucoup remis en question et ça, c'est une très bonne chose pour un entraîneur. Je pense que lorsque tu es entraîneur, tu dois beaucoup écouter tes joueurs. Et c'est ça qui a fait la force de Zinedine Zidane. C'est ça qui fait la force de Carlo Ancelotti. C'est des mecs, c'est des entraîneurs qui écoutent beaucoup. Ils sont plus dans le management. Et Thierry Henry l'a compris. Après, est-ce qu'il va réussir à relever l'équipe espoir? Moi, j'ai toujours un doute, malgré ces 2 victoires en 2 matchs. J'ai toujours un doute parce que Thierry Henry, il n'a quasiment pas réussi dans les clubs là où il est passé. Ça a été un échec. Après, comme lui-même l'a dit, il s'est remis en question peut-être. Que c'est le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau déclic. Je n'en sais rien. Donc, donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses que Thierry Henry va réussir à amener l'équipe de France Espoir très loin du matou? Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos. Ce sont, c'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao!